Salut à toutes et à tous, c'est Picasso. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre nouveau Let's Play sur Call of Duty Modern Warfare 3. J'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, le premier épisode de la série, on avait joué du coup l'opération 627. On avait libéré le méchant Makarov, on avait contrôlé les méchants et on s'était coupé lors de l'évasion. Du coup, c'est parti, on va faire la mission numéro 2, précieuse cargaison. Et à ce que je vois, il y a Pharah qui apparaît. Pharah, j'étais très déçu de pas beaucoup la voir dans Modern Warfare 2. Peut-être qu'on va un peu plus la voir dans Modern Warfare 3. Bref, on est parti. On lance la mission. Recommencer la mission. Évidemment, je ne l'ai pas joué. Il y a écrit reprendre, mais j'ai dû cut la cinématique en plein milieu la dernière fois. Vous n'avez pas vu, évidemment. Je l'ai coupé au montage. Mais je n'ai rien joué du tout. On va découvrir tout ça ensemble. C'est parti. On recommence la mission en mode recrue, évidemment. Petit coca, petit chips comme d'habitude. Et posez-vous bien devant la 2K. C'est parti. À 30 secondes de la ZA. Capitaine Price et toute la clique. Écoute, Laswell. John, Makarov est dehors. Répétez, Laswell. Makarov est dehors. Il s'est échappé, John. On annule. Faites demi-tour. Faites demi-tour, tout de suite. Ah bah voilà, Urzikstan. C'est là où il y a Pharah, normalement. Shadow 2, ici leader Kilo, en position au port. Je te préviens quand j'ai la marchandise, attends mon signal. Bien reçu, Kilo. On est bon? Quoi? Ça rebat les cartes. Attendez, je comprends plus rien. On n'est pas à s'en servir. Alex, il est mort dans le 1. Reste en contact. Et Graves qui parle à la radio, il est mort aussi dans le 2. Quoi? On va avoir des explications, je pense. Comment va ta mère? Elle se bat, comme toi. Viens. J'ai fait tout ce que tu as demandé. Tes conteneurs sont sécurisés. Le port est désert, y'a que nous. Et celui de Plaisance? Fermé depuis hier. Bien. Pharah? Ça ne me regarde pas, mais... Dis-moi. Cette cargaison doit être très importante. Je parle pas beaucoup pendant les cinématiques, hein. Je vous laisse profiter. Ça fait des années. L'Urzikstan est à nouveau en paix. Nos vies ont repris leur cours. Je t'en supplie. Fais en sorte que ça ne change pas. D'accord? On est derrière toi. Oui, bien sûr. Les conteneurs sont rangés. Oh wesh, putain, j'ai eu peur. Bon, elle est morte, hein. Oh putain, ça m'a fait tellement peur. Ici Echo 3-1, troupe au contact, le véhicule de Kilo est HS. Je répète, troupe à découvert, on se fait attaquer de tous les côtés. Merci, garde la position. Mais putain, mais Alex et Graves, ça me terrifie, hein. Ils sont censés être morts. Oh putain. On se bat au couteau là? Ici Kilo. On est tombé dans une embuscade. Dina est morte. Des colis. Ils sont partout, commandante. Les missiles. Ils sont là pour les missiles. On peut pas les laisser mettre la main dessus, Pharah. Il me faut des armes. Cherche des conteneurs avec l'insigne de la Shadow. Tu trouveras tout ce qu'il faut pour combattre le colis. Vous déplaciez autre chose que des missiles? Un autre chose. Et heureusement pour toi. Faut que j'aille là-bas là. Je vais essayer de jouer safe. Parce que je sais pas, je suis qu'au couteau là. Faut que je fracasse un gars au couteau pour récupérer son arme. C'est un ennemi lui, non? Faut jeter mon couteau. D'accord. Je peux aller me faire foutre aussi. C'est impossible que je l'atteigne. C'est où qu'il faut que j'aille?
J'ai pas d'objectif. Une lagounette ? Ah si, putain, c'est devant moi. Je suis devant le container. Reçu. Oh. Que ta prise donnera un avantage, mais oublie pas que tu fais face à une armée d'ennemis. Il est hors de question que je laisse Connie repartir avec ses missiles. Oh. On va avoir besoin d'un plan de secours. Commandante, il y a des traceurs GPS sur mon bateau. Posez sur les missiles pour qu'on puisse les suivre. Oh, putain, à la trace. Je dois encore localiser les containers. Dina aurait su où les trouver. Le manifeste doit être dans le bureau du capitaine de bord. La tour. Affirmatif. Bien sûr. Est-ce que j'ai... Non, j'ai des silencieux dessus. Lui, il a pas de silencieux par contre, je crois. Ouais, il a pas de silencieux, lui. Utiliser carte tactique. Récupérer les traceurs GPS sur le bateau, récupérer le manifeste dans la tour du port. Dans la tour du port, ok. Ok. Attends, c'est par où qu'il faut que j'aille du coup? Putain, j'ai une carte tactique. Je peux pinguer ou pas? Pas pinguer. Okay. En fait, j'ai l'impression d'être sur un BR littéralement. Le BR de Modern Warfare 2. Ok, j'ai des trucs là. Ça. Oh. Avec ce drone, j'aurai une meilleure visibilité. Bien vu. C'est quoi ça? Ok. Ouais, c'est littéralement, ils t'apprennent à jouer au BR quoi. Ok, ok. Hop, toi t'es mort. J'essaie de vraiment rester discret le plus possible. Je prends la direction du cargo. Reçu. J'essaierai de trouver des survivants de la Shadow. Ni mon bateau, ni mon équipage. On était juste chargé de la sécurité. On dirait qu'ils sont tous morts. Graves, ton bateau est toujours à quai. Est-ce que tu vois mes hommes? Négatif. C'est pas vraiment la réponse que j'attendais. J'ai trouvé un conteneur de la Shadow. Mon frérot. L'Odexan est notre premier port d'attache dans la région. Prends ce qui te plaît. Qu'est-ce que je te dois, Graves? Je paye mes dettes. Rien du tout. Je vais exterminer ces connards tout autant que toi. C'est que là, ils sont deux. Qui m'a vu? Kilo, je crois que l'ennemi te cherche. Pourquoi? Oh, lui là, le point jaune qui arrive. Il ne relèvera pas celui-là. C'était sûrement lui qui m'avait vu. Ok, ok, je comprends. Par contre, il y a un point sur la carte là, c'est quoi ça? Je veux bien y aller. Pour voir ce que j'y trouve. Ça va peut-être m'aider. Oui, je sais pas. Cherche le manifeste dans la tour et les traceurs sur le bateau. Allez. Ok, c'est ça. Et c'est quoi ça du coup? Changer d'attirail. Mais c'est juste pour... Ah putain, bah oui, mais j'en ai pas. Non mais c'est vraiment un BR, j'ai un kit d'auto-réanimation, frère. What the fuck? C'est quoi cette mission? Et du coup, je peux pas mourir en fait. Enfin, je peux mourir, mais en deux fois. Ok, je vais m'approcher et je vais tenter un truc. J'ai repéré des ennemis sur le cargo. Cette pute, ils m'ont vu là? Qui m'a vu? Ils sont devenus suspicieux. Mourir, frérot. Là, je me suis grillé, non? C'est lui qui m'avait vu. Comment on monte? J'ai repéré un câble ici. Oh, ça grand mire, les grenades carrément. Bon, écoutez, on va faire ça à l'ancienne. Ça. Bon, ils sont en train de monter. Comment on range le truc? Ah, c'est écrit oh merde, my bad. My bad là-dessus. Ok, il y en a un peu partout.
Merde, j'étais pas avec le silencieux. Oh le con. Je cherche les traceurs. Va dans la passerelle et cherche les traceurs dans la salle de contrôle. J'aurais pas fait mieux. Merde, les points ont disparu. Oui, je sais, c'est bon, j'y vais. Allez, j'arrête de me battre avec les autres. Hop. Allez, on fonce. À la passerelle pour les traceurs. Ils devraient être bien en évidence. Vache. Sur une table. Oui, d'accord. Tourelle automatique. Une lagounette. Placement non valide, comment ça? Je vais faire un truc là. Hop, pack d'armure, je peux pas les prendre, je suis au max. Ouais non, je vais pas prendre le lance-grenade, j'aime pas trop l'arme. Faut vérifier bien les coins. Qu'il n'y ait pas un gars qui traîne. Alors ça frérot, gilet, je prends. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'était des traceurs, c'est ce que je cherchais, nickel. Ok, il faut que j'aille là-bas. Alors ça mon coco, en plus il a un silencieux, je vais clairement pas m'en priver. Ok, je suis repassé en invisible, normalement il me voit plus. La plupart des victimes sont des employés de Dina. Leurs extincts en avaient fini avec la barbarie. Connie a ramené l'horreur au pays. Connie là. Prépare la guerre, ça. Oh, il me voit là. Ah, il me voit pas là. Kilo pour Shadow 01. Connie a trouvé l'un de nos containers. Il l'amène. Si tous les missiles sont envoyés au même endroit, on pourra les retrouver. Ce qui est loin d'être acquis, j'espère. Ah merde, mais c'est ma tourelle. C'est ma tourelle qui dénonce. En deck, non, c'est la faute de ma tourelle. Ok, on rejette. J'ai pas l'air si grillé que ça. Par contre, comment on descend? Attends, c'est la petite flèche là? Il y a une petite flèche, comment on descend? J'ai plus par où je suis monté, putain. Je peux descendre sans mourir là? On va dire que oui. Bon bah voilà. Hop, je fais le plein de munitions. Je croyais que j'avais un sniper, mais pas du tout en fait. Bon. Écoutez. En vrai, je peux prendre un camion et me barrer là. Un container de la chaleur. Il est ouvert. Fais-toi plaisir, Kilo. Mi casa es su casa. Ok. Tu parles espagnol? J'ai appris à le baragouiner au Mexique. Tu es resté combien de temps? Trop longtemps. Je suis censé être mort surtout Graves hein, enfin... Graves n'est pas censé être en... Ok, il y a un Transformers qui bouge, faut que j'aille au point d'interrogation. Mais merde, j'ai... Je croyais qu'il y avait un silencieux là-dessus moi. Ok, c'est ma tourelle qui fait le ménage. Allez dépêche, on doit trouver le manifeste avant que... Il y a deux secondes. C'est quand même plus important à régler au sol. Là. Je suis presque à la tour. Un peu nombreux. JLTV ennemi en vue. JLTV, c'est quoi ça? Faut que je monte à l'étage, c'est ça qu'il m'a dit. Je vais monter hein. Des trucs un peu partout. J'observe un petit peu hein. M'en voulez pas. Au deuxième étage peut-être. Pour l'instant ils savent pas où je suis. Connie est en alerte, fais-toi discret.
suis près du bureau, au deuxième étage. J'ai décocté le moulot. Les capitaines de port sont organisés en général. Ça doit être sur le bureau. Si on perd ces missiles, qui serait assez équipé pour les retrouver? J'ai des contacts qui pourraient nous aider. Tu leur fais confiance, Farah? On parle d'une cargaison secrète, là. Je leur confierai ma vie. Alors, ok. J'espère que je t'ai convaincu. Une mitrailleuse, je m'en fiche. Encore une mitrailleuse. Ils veulent que je fasse du bruit, j'ai l'impression. Je vais peut-être la prendre au final. On va voir. Ça ? Ok. 01, j'ai le manifeste. Qu'est-ce qu'il faut ? Graves, je t'envoie les infos du manifeste. Reçu, je compare avec le numéro des conteneurs. C'est bon. Pas plaisant de plus. Le numéro et l'emplacement des trois conteneurs. Plus que deux. Oh, t'es un mec, là. Ah ouais, c'est vrai. Enfoiré d'ultranationaliste. Dis-moi où je dois aller. Je poserai les traceurs sur les deux. Il y avait un mec là. Hein. Ok, allez, c'est parti. Regarde les grues. Ils sont peut-être en train d'en charger un autre. Reçu. Je regarde en haut et en bas et je les retrouve. Leader Kilo pour 3-1. Comment ça se passe? On les repousse, mais ils envoient des renforts dans ta direction. Je m'en occupe. J'ai besoin de toi, Alex. Tiens bon sur toi. Toi aussi, Kilo. Écho terminé. J'aurais pas fait mieux. Au mauvais endroit, au mauvais moment, j'ai envie de te dire, mon grand. Bon, là-dedans, il y a un sniper 100% sûr. Voilà, c'était sûr, parce qu'on est en hauteur. Mais il n'y a pas de... Ils sont automatisés. Il n'y a pas de putain de silencieux dessus. Portique en visuel, faut que je fasse quoi, là? J'ai pas lu. Poser les traceurs GPS sur les conteneurs à missiles. Oh merde, c'est con, là. Ok, ils sont marqués. Ok, ils sont là. Oh, faut que je retourne là-bas, là, vraiment. FF, hein. Mind-toi, Farah. On doit pouvoir suivre ces missiles une fois que Connie les aura embarqués. Oui, mais deux secondes. Dans ta mère, toi. Je les entends parler, mais... Il m'envoie des greux, les bâtards, là, non? Il sait pas trop l'envoyer, ça va. C'est ma tourelle qui fait le ménage. Oh, je l'ai eu d'ici, je suis trop fort. Ah, mais ils sont sur le toit, devant moi. Je suis aveugle. Deux secondes, je suis occupé là. Je fais un peu le ménage et après j'y vais, frère. Oh, toi t'es mort. Comment ça? Connie doit pas partir d'ici avant qu'on ait posé les traceurs. Il est invincible, ce connard! What the fuck? Il a morflé. Putain! Connie est en alerte, fais-toi discrète. Bon! Pas tout ça. J'ai vu que j'avais un parachute, alors je m'en sers. Je vais au premier conteneur de missiles. Ça m'a fait prendre un sacré raccourci. Faut que j'ai trouvé le premier conteneur de missiles. Je commence à grimper. Faut que je grimpe. Merde, je vais voir. Derrière, c'est ça. Belle attaque, Farah. Tout ce qu'il me faut. Et un de moins. Ok. Bon de le savoir. Je te le confirme. Il est là-bas, là. En tous les cas, faut que je retourne au niveau du bateau. Putain, il y a un... Connie vient de chercher, Farah. Il m'a vu. Le gars qui m'a vu, là. Ou alors c'est juste ma tourelle qui les a alertés. Je suis concentré. Je bouge. On va passer par là. Dépêche-toi de placer ce traceur, on a déjà perdu un missile. Ça n'aurait pas fait mieux. Okay. Je monte. Mais merde, t'es pas là! Je suis pas du tout au bon endroit! Je croyais qu'il fallait que je retourne sur le bateau, moi. Tous les cons, hein. Voilà. Il est mort. Au-dessus, c'est ça que ça me tire dessus? Ouais, je suis aveugle. Ah là, je l'ai vu.
J'ai raté. Il y en a un autre là. Il est pas mort le bâtard. C'est là-haut qu'il faut que j'aille. Oh, putain, je vois rien, je suis aveugle. Comment on monte? Okay, j'ai. Ok, ils savent pas que je suis là pour l'instant, visiblement. Parfait, c'est bon, c'est mis. Oh, c'était compliqué, hein. Bon, je pense que c'est pas possible de la faire full infiltration. Connie quitte le port avec les domiciles. Bien reçu. Bon boulot, Farah. Tu as fait ce qu'il fallait. Echo, tu me reçois? 5 sur 5, Farah. Connie met les voiles. Ils ont ce qu'ils voulaient. On a survécu. Mais le combat est pas terminé. Réel. Echo pour Kilo, c'est dégagé? C'est bon. Tu peux venir. Reçu. J'arrive. Je suis vraiment désolée, Tina. Ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. Je te le promets. Commandante. Nos missiles devaient être un moyen de dissuasion. La paix armée, comme on dit. La guerre revient toujours frapper ces terres. Elle n'est jamais partie. La Russie veut ce pays. Elle ne l'aura jamais. C'est quoi la suite? On traque ces containers. Alors je viens avec toi. Non. Occupe-toi de nos morts et préviens nos alliés. Les Russes sont de retour en Urzikstan. La Shadow Company a des intérêts là-dedans. Elle va vouloir participer. T'as raison. Mais je dois d'abord contacter quelqu'un d'autre. Bon, et bah c'est déjà la fin de l'épisode 2, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, pas mal de rebondissements. Moi, je m'attendais pas à ce que Alex et Graves soient encore en vie, parce que normalement, Alex est mort dans le Modern Warfare 1 et Graves dans le Modern Warfare 2. On découvrira sûrement pourquoi est-ce qu'ils sont pas morts un peu plus dans le futur. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, votre plus beau pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous. C'était Picasora, moi je vous dis à la prochaine du coup dans l'épisode 3. A plus tout le monde, portez-vous bien, c'est le plus important.